histoire incroyable, c'est bon. Où es-tu? Tu es un alter. T'es un alter, bah t'es un méchant. Allez là, battre. Tu bouges pas, tu bouges pas, t'es un alter. Vas-y, bute-le. Tu es un alter, tu es. Je comprends pas. Y'a un alter. Ah. Alors, on se frappe pas, ça met des mauvais coups. Ouais, mais t'es sérieux, frère, maintenant tu me frappes au nez. Ok, là je comprends plus rien. Il a une barbe. Viens de battre si t'as envie de te faire attraper. D'esquiver combien de temps. Comment ça, je dois me battre. Là je comprends plus rien. T'es possédé, mec, t'es possédé juste pour ça. Les guidards, c'est moi qui en viens. Ouais, pourquoi? Attends, ok, j'ai deux hypothèses. Ok, écoute-moi, j'ai deux hypothèses. C'est bon, c'est pas maintenant, je vais t'écouter. J'en faisais un bon compte avec lui. Je parle à mon pote, jurez. J'ai pas pu l'entendre. D'accord, la défi. Coupe les oreillettes avec moi. Ok, bah, ok. C'est bon. Voilà. Allez, viens, exécuteur. Viens, s'il te plaît, j'aimerais te montrer un truc avant que tu me tues. S'il te plaît, tu peux me raccorder ça, ma faveur. Oh, ma mort. Pas que ma mort. Voilà, mes deux hypothèses. Écoute, tu vas pas voler. J'ai le droit ou pas? Non, deux hypothèses. Pas fait, je vais pas me faire avoir comme l'autre fois. Attends, allez, on va. Allez, les cons, je retourne. Il est parti, il est tombé par terre. Ça c'est filmé maintenant. Mec, je sais ce qu'il fait. Il y a un truc qui relie lui et l'Infinity. C'est ça qu'il fait. Il faut enlever les cristaux. Il faut les faire péter. Quoi, les cristaux là-dessus là pour retour? Les cristaux. Alors, ok. Non, t'inquiète pas, j'ai une force extra pour en détruire un. Ouais, les détruire, tu peux pas les consommer. C'est pas possible. Tu crèves sinon. Les détruire. Destruction de ces cristaux. Il en reste plus qu'un seul. Destruction. Non. T'es pas bon. À les avoir connus, je les ai connus bien avant pour. Non. Il a explosé ce cristal. En moi, que j'ai enlevé. Grenade d'amertume de ton mode. Quoi? Moi, je les appelle les. Alors. Écoute les deux hypothèses. Arrête de tuer. Merci. Les deux hypothèses, c'est soit il veut qu'on affronte deux. Écoute-moi bien, exécuteur, c'est pas sur la mienne. À la fin, il Alors, écoutez, venez tous à la table là où on a mangé là pour Noël. À part les ceux qui sont en train de faire les trucs. Mais Koulikan et Exécuteur, venez sauter. Attends. Donc on attend. Alors les gars, venez. Koulikan, Exécuteur, là. Tu bouges pas. Mais désolé, c'est juste qu'on peut pas y faire ulti. Koulikan, venez. Koulikan et Exécuteur, venez à la table là où on mange. À la table de dégustation. Le reste, vous restez dans le labo. Travaillez, s'il vous plaît. Vautour, vautour, je dois tous vous dire un truc. On a appris une bonne leçon aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on a appris une bonne leçon. Genre, on doit se méfier des gens. Pardon, on doit se méfier de Lycan, de moi, ou de moi du futur, ou de ces deux zigotos qui sont en bas. Attendez. Écoutez. Exécuteur, je sais pas si tu vas l'aimer, mais c'est pour une très bonne raison que je l'ai fait. Demande à Lycan, c'est vrai. Si on me calcule, plus jamais tu seras. Parce que là, demande à Lycan, tu as été possédé par Infini. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est vrai, Lycan? Non, attends, qui sont en bas. Vous me virez. Oui, non, mais... Vous pouvez pas me virer, je suis votre chef des héros. Il sait maintenant que ça a rien de... Attends, écoute-moi. Écoutez-moi, l'âme de vous deux... Exécuteur. Attends un peu maintenant. Mais est-ce qui les deux? On est en train de parler là, excuse-moi. Et Antoine là, le garde, sérieux là. Travaille encore. Sérieux, on est en train de parler d'un truc important. Ah, tu vois. Mais oh là là. On ferme là, vous deux. Bon, on est. Non, mais juste une question. J'ai juste une question. Après, tu poseras ta question. J'ai les pouvoirs. Regarde, il a failli le casser. Voilà. Un con, lui. Un abruti. Ah ouais, t'en es sûr. Pouvoir de. T'en es sûr. Bon, bref, on était où? Oula, quand tu travaillais.
Pourquoi c'est enlevé? On cherche des recherches pour eux, ils sont toujours pas contents. Donc en gros, vous me direz. Mais nous, on est en train de parler d'un truc important, donc vous fermez vos gueules. Écoutez-moi, pour l'instant, ce que je veux dire, c'est qu'il ne pourra plus personne pour se faire procéder. Le seul moyen, ce qu'il vient de faire, c'était extrêmement risqué. Et du coup, s'il a envie de reposséder quelqu'un, il peut seulement le faire s'il meurt. S'il meurt, il peut prendre le corps d'une personne. Du coup, quand on le tue, il faut faire attention de lui faire attention. Donc en gros, vous voulez dire que vous voulez que je viens plus ici jusqu'à ce qu'on avait réglé. Non, on n'a jamais dit ça. Arrête de dire ça, j'aime pas quand je viens de dire qu'il peut plus posséder personne. Écoute, alors déjà, tu seras jamais viré, donc arrête, enlève-toi cette idée de la tête. Déjà, Infinite t'avait possédé, mais là maintenant, plus jamais te possédera. Pourquoi ? T'as vu le cristal là qui sort de le laboratoire ? Ouais. C'était le cristal, ce cristal là relié Infinite à toi, ce qui fait que n'importe quel moment, il pouvait te posséder. N'oublie pas qu'on avait besoin de ce cristal pour autre chose, que je te rappelle. Maintenant, on va chercher un autre. Non, en fait, pour être sincère avec toi, je n'ai caché quelque part où que personne ne sait. Pousse-toi, je vais faire un bon cette machine. Mais moi, je sais pas. Oui, parce que j'étais sûr que c'est exactement ça qui allait se passer. Et du coup, j'ai caché autre chose. Écoute, exécuteur, tu sais que ce cristal, si je l'avais pas détruit, tu serais tout le temps possédé, ce cristal là. Là, maintenant qu'il a été détruit, maintenant tu seras plus jamais possédé. Voilà, faut dire merci quand même. Tu parles comme quelqu'un. Parce que c'est ça qui. Écoute, parce que c'est ça qui reliait le. L'affinité avec toi. Vous deux, votre pouvoir, il vient un peu de ça. C'est ça qui vous relie. Du coup, vu qu'il y a ce fil qui vous relie, toi. Ouais. Du coup, c'est plus possible. Ok, j'ai compris. Pour l'instant, là, j'ai envie de regarder un peu les informations de Flash Info. Je vous laisse, peace. Du coup, on va aller voir dans le laboratoire leur conclusion. J'espère qu'ils ont pas touché. Ouais, ce serait un miracle. C'est un miracle qu'ils ont travaillé. Qu'ils ont un cerveau, ce serait un miracle. Et oh vous là, c'est bon? Putain, mais qu'est-ce qu'il faut ici? Vous vous foutez de la gueule? On s'entraîne, j'ai récolté que deux hypothèses. Alors vous allez... Alors vas-y, dis-moi la première. Alors la première, c'est que soit il veut nous attirer dans un guet-apens et pour après nous donner, nous donner des armes qu'on n'aime pas. Ou c'est soit il veut nous ramener dans l'arène, mais un champion après un autre champion. Stop, attends, arrête de parler. On va pas aller plusieurs sur un champion. Je sens l'exécuteur du passé. Et à la fin, on va l'affronter ou peut-être que non. Le sentir. Peut-être qu'à la fin, si on l'affronte, c'est un après. Attends, je commence à se fondre. En fait, ces hypothèses-là, c'est de la merde. Bref, allez, retournez-vous pas. Vas-y, il est chiant, lui. On travaille dur pour toi, tu fais comme ça. Même pour un gamin de 5 ans, il aurait trouvé cette hypothèse en deux. Ouais, c'est bon. Allez vous entraîner, au moins comme ça, on n'est pas vous deux pour rien. L'exécuteur, il a même mal à la tête, il est parti regarder les infos. Ouais, vous deux, allez vous entraîner. Allô, au moins, écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai un plan. Alors, il dit que dans une semaine, il va venir nous chercher pour nous amener dans l'arène. Et si on reste ici, on attend une semaine pour se préparer, pour mettre des pièges, tout ça. J'ai oublié de vous dire. Je peux parler on a cherché, puisqu'en fait il n'y a pas que cette planète, il y a des autres galaxies. Et en fait, on a réussi à capter une galaxie où il y a plusieurs arènes. Super, bon bah les couilles. Du coup, je vous disais, il est obligé de venir nous chercher, tu vois. Il peut pas venir et. Du coup, il y a une semaine de temps pour se préparer, pour faire un canon, pour le tuer et qu'il pourrait pas se préparer. Mais ça dépend si on a des vaisseaux, ça dépend si on a des vaisseaux. J'ai une idée, c'est pas Nico. Merci beaucoup, tu es vraiment intelligent. Je connais un truc, une technique secrète. Tu vas la voir? Toi. Ça s'appelle. Vas-y. C'est la vague d'emprisonnement des démons. Tu vas voir? C'est une technique ancienne qu'on va appeler. Nico, j'ai un endroit où on peut aller. Vous le reste, allez vous entraîner s'il vous plaît. J'aimerais que en plus vous avoir dans le tournoi, s'il vous plaît. Là, je parle de ok, regardez ma grenade. Je peux jeter ma grenade pour vous. Non. Écoutez-moi, mais j'ai fait. J'étais pas là. Ok, écoute. Attends, 2 minutes, je dois aller chercher matériel. Grenade à onde de choc, s'il te plaît. Écoute, je t'entraîne dur sans relâche, ok? Et pour écouter la musique, c'est là ce qu'on était en train de faire avec l'autre. Ah ben, tu le refais. Exécuteur du présent, t'es où? Donc, tu vas t'entraîner avec ton ami, j'aimerais que tu t'entraînes dur. Laisse-toi partir. Attends, viens, Lucan, viens. Il est parti de notre étage à la voix. Non, mais tu fais le feu, toi t'as pas de pouvoir. Comme nous. Ils ont des pouvoirs, genre... Moi, ils ont des pouvoirs. Ah, il est pas là.
Oh, y a là-bas, ici. Je vais laisser un message. Désolé, je suis parti pour mon aventure contre Infini et Démon Zéro. C'est bon, là ils vont lire le message. Attends. Allô ? Non mais sérieux ? Attends, ouais, non, mais... Oh, exécuteur. Exécuteur. Oh. Regarde, j'ai trouvé quoi. Exécuteur. Exécuteur, qu'est-ce que tu fais ici ? Exécuteur, viens. Il est bizarre. Arrête ça. Il faut bien être souple, hein, puisque les coups, voilà. Et vous, là, vous deux, vous recevez ou pas, Caracoleur et Ok, écoutez, là, j'ai retrouvé Exécuteur, mais je sais pas pourquoi, mais il fait que partir. Là, c'est de poursuivre. Vous continuez de vous entraîner. Comme ça, voilà. Ok, vas-y. On va s'entraîner pour vous aider. Ça serait une grande... Exécuteur, sérieux, je vais faire ton bébé, j'ai un truc en plus vraiment positif à te montrer. Est-ce que mon coup... Oh, tu te rappelles du coup... T'as qu'à lire le message que je t'ai envoyé dans ma chambre. Regarde. Ah ouais. Attends, je vais y entrer. Ah, oh, il fait encore des bons trucs, ce truc. Pourquoi il dort? Mais Exécuteur, est-ce que tu me ressors avec l'oreillette? Avant que tu partes, j'aimerais te dire un truc. Quoi? Viens. J'ai trouvé la technique, enfin, contre lui. C'est la vague d'emprisonnement des démons, tu veux voir? C'est quoi? Étant donné que Infini fait partie des démons, et je vais réussir, tu vas être emprisonné. Vague d'emprisonnement des démons! Mais tu t'es prêt pour... Au Caracoleur, ton pote, il s'est prêt pour dans Naruto ou quoi? Ok, et c'est ça? Voilà. Et là, normalement, il sera emprisonné. Super. Oh, je peux dire à toi. Regarde, tu veux que je te montre? Je te montre, là je vais utiliser tout le monde. Pour la vague d'emprisonnement des démons. Caracoleur. Je comprends pas qu'il a pas un sa radio, il se prend pour Naruto ou quoi. Je sais pas, il se prend pour. Et vous vos gueules là, je suis en train de m'entraîner technique vraiment sérieuse. Oh. Vous allez vous entraîner. Une autre radio. Allez. Ouais. Ouais. Je vais te montrer. Allez, mets-toi bien. Voilà, là c'est bien. Non. On recule un peu. Voilà, c'est bon. Allemagne. Et normalement là, tu seras coincé pour l'éternité. Et là, je vais pas demander que tu sois coincé. Ouais. Et là, normalement, tu seras coincé pour l'éternité dans un monde parallèle. Caracol. Tu seras coincé dans une dimension, tu pourras rien faire tout ça. Exécuteur, je te propose qu'on aille s'entraîner un peu avant le tournoi. Là, les deux zigotos, je leur ai demandé de le faire. Il y a du sang partout, il y a du sang partout, vite. Moi, je te vois que t'as presque des yeux mauves, etc. Et quand t'as les autres, pareil. Non, t'inquiète. J'ai vraiment confiance. J'ai quand même l'impression que c'est plutôt une finie qui te contrôle, qui vous contrôle, mais je sais pas, moi. Vraiment, tu veux qu'il me contrôle? Allons voir ce qu'ils font là, eux deux. Il y a souvent. Là, je sais pas. Peut-être qu'ils sont bien entraînés. Je leur ai demandé de s'entraîner pour toi. Pour le théâtre, tournoi, on est. Le théâtre qui dit qu'il est en train de s'écrouler là. Il faut en même temps. Juste un peu courir. T'inquiète. Allez, c'est bon, tu as l'entrée. Exécuteur, viens. C'est bon, tu laisses tomber ta liste de ton arbre. J'espère qu'il y a un truc pour que je pars pas, pour que je reste avec vous pour le combat. Sinon, moi je mais t'inquiète pas, tu avais déjà ma technique. Ok, allô, Exécuteur, t'as oublié de débrancher ta radio, tu m'entends? Et attends, je débranche ma radio. Non, redébranche pas! Bah, je suis juste à côté de toi. Allez, pourquoi il y a du son? Je vous ai demandé de juste vous entraîner, pas de vous tabasser avec le tapis roulant. Je sais pas ce que vous avez fait. De quoi? Je sais pas pourquoi il y a du son de partout. Mais y a rien. C'est pas moi, c'est lui là-bas là. Mais j'ai rien fait, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Wouah! Par contre, dans la chambre, Attendez, bienvenue sur Flash Info. Aujourd'hui, la tempête d'un âge a complètement venu. Là, il y en a beaucoup trop, donc on voit plus rien. Je répète, on ne voit plus rien. Pourquoi Lico, il est pas là? Une question, Lico, il est pas si haut? Lico, il est dans sa chambre, par contre. J'entends des cris de sa chambre. Attendez, j'allais voir.
J'y vais. Putain, c'est bon, laisse-moi rentrer, t'inquiète pas, j'ai peur de ça, personne ne rentre. Ouais, on va dans ce truc là et ouvre.